Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un papillon en origami. Alors, comme d'habitude, partir d'une feuille format A4, on trace une des diagonales du carré. Comme ceci. Après, on vient retirer cette partie-là. Donc, on vient retirer la partie du bas qui est ici. Hop, on retourne. Donc on vient retirer la partie du bas, on fait des deux côtés et après on vient déchirer le papier. Comme ceci, on obtient un carré parfait. Et l'avantage, c'est qu'on a déjà une diagonale de tracé. Donc on trace la deuxième diagonale, tracé... Trait de pliure, hein, tracé. Je vais dire tracé assez souvent, mais en fin de compte, c'est des traits de pliure. Hein, ou des pliures, tout simplement. Comme ceci. Une fois vos diagonales tracées, on vient pointer les sommets du carré dans le centre. Une fois tous vos sommets dans le centre, on vient retourner la feuille et on recommence de l'autre côté. On met les sommets dans le centre. Comme si on voulait faire une cocotte en papier. C'est un peu le même principe. Hein. Voilà, après on vient de l'autre côté et on réouvre tout. Après vous allez venir sur ce trait-là de pliure, rabattre cette arête-là dans le centre. Ici, comme ceci. Après, pareil de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Donc là, suivez bien parce que c'est un petit peu plus compliqué. On vient ouvrir ici. Donc le trait de pliure ici, on vient l'ouvrir des deux côtés. Donc on ouvre et on vient se mettre sur le trait de pliure. Donc ici, ici, ce qui vous donne quelque chose comme ceci. Donc le trait de pliure ici et ici, on rabat. On vient rabattre le haut dans le centre. Et voilà. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc les traits de pliure ici, hop. Ici pareil, on vient rabattre. Voilà. On vient tourner notre origami et on plie dans son centre. Comme ceci. Après, on vient rabattre un côté ici et ici.
Voilà. Vous venez rabattre les petits coins ici, comme ceci. Telle sorte que ce trait-là soit parallèle avec le centre. Pareil de l'autre côté. Une fois ici, vous allez venir plier votre origami dans son centre. Donc on est là, on vient plier dans son centre ici. Après, on vient plier le bas. Donc le bas qui est ici, on vient le plier légèrement. Donc le bas là qu'elle a là, on vient le plier, on le retourne les deux côtés en fait, on vient le plier des deux côtés et on vient ouvrir, ce qui nous donne un papillon en origami. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, salut!